Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. La mission principale du jardin d'enfants est de préparer les enfants à la scolarité. Cette préparation permet aux enfants de passer aisément du jardin d'enfants vers le primaire. Et à chaque rentrée scolaire, les éducateurs et les éducatrices accueillent les nouveaux élèves. Bien entendu, les anciens, bien entendu, mais aujourd'hui, c'est des nouveaux élèves qui arrivent, qui nous intéressent. Les nouveaux qui arrivent au jardin d'enfants et ceux qui n'ont pas la chance de passer par le jardin d'enfants parce que peut-être qu'il n'y en a pas ou que les parents ne comprennent pas encore l'importance du jardin d'enfants et qui sont allés directement les inscrire au primaire et qui puissent suivre très bien les apprentissages. C'est tout cela que nous allons parler au cours donc, de cette émission avec deux spécialistes que j'aurai à vous présenter. Débat thématique, c'est dans un instant. Comment l'accueil doit se faire? C'est de tout cela que nous allons parler au cours donc de cette émission. Mais avant que nous ne rentrons dans les détails, je présente d'abord mes invités. De ma droite vers ma gauche, j'ai Madame Amégan, elle est conseillère pédagogique à l'IEPP. L'IEPP, c'est Inspection de l'enseignement préscolaire primaire, Zio Nord. Tous ceux qui connaissent bien Thiévier, Zio Nord, c'est à Agbelouvé. Madame, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Et merci d'avoir fait le déplacement. Alors, Madame Amégan nous a confié qu'elle aime bien le melon comme fruit et elle aime la pâte avec aloma. À ma gauche, c'est Madame Tchagbélé, scolastique. Voilà. Et Madame Tchagbélé est la directrice de jardin d'enfants Marina. Marina, c'est pour ceux qui connaissent très bien la ville de Lomé, c'est non loin de l'hôtel Ibis, voilà, à côté de l'ambassade de France. Alors, Madame Tchagbélé est donc notre deuxième invitée. Elle nous a confié qu'elle aime bien l'orange et elle aime bien manger aussi la pâte avec la sauce de feuilles de baobab qu'on appelle en cabière codeur. Voilà, codeur avec une bonne moutarde, une moutarde originale qui vient de soit de Tchaoudior, qui vient soit de Sotoubois, de Kara, de Dapaon. Voilà, parce que là, on trouve la moutarde originale là-bas. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci aussi d'avoir fait le déplacement. À vous, le merci. Pour entrer donc dans le vif du sujet, le sujet, hein, voilà, tel qu'affiché sur vos petits écrans, bien accueillir les nouveaux élèves du préscolaire et du primaire. Voilà, les nouveaux qui viennent pour la première fois dans cet environnement scolaire. Quelquefois, ce n'est pas aisé et vous allez le voir dans ce reportage que nous vous projetons. La scène est déchirante. Crise de larmes, tristesse, boule au ventre. C'est pourtant ce qui attend chaque parent chaque première rentrée des classes. Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent les lieux avec inquiétude parce que la journée va se dérouler sans papa et maman. Je ne dirais pas douloureux, mais c'est un peu gênant puisque je suis tout le temps avec les deux. Mais ce premier jour, c'est une occasion pour moi de venir les faire inscrire. C'est la troisième fois que j'amène mes fils dans ce jardin. Il est vrai que ce n'est pas aussi facile de les laisser seuls parmi les étrangers. Mais bon, je supporte. Je veux bien le voir grandir, être un intellectuel un jour. C'est pour cette raison que je sais que même si j'ai de la peine à le laisser, il a un avenir qui est rassuré. Pour certains, la tristesse se fait plus silencieuse, mais les visages en disent long sur l'épreuve de la séparation. Difficile pour les parents de ne pas céder. Au moins, il y a 6 mois de cela, je le préparais. Je dis, ah, toi qui seras un jour intellectuel, toi qui iras à l'école, tu vas continuer par têter, tu vas t'amuser comme ça avec les enfants. Donc aujourd'hui spécialement, je l'ai acheté. Son mets préféré, il veut le sandwich, c'est ce que je lui ai donné. Aux enfants qui arrivent pour la première fois, comment vous expliquez que la plupart
où une bonne partie des enfants qui arrivent pour la première fois dans l'environnement scolaire pleurent. Les tout petits, quand ils arrivent, ils pleurent parce que la séparation. Toute séparation est difficile. Et les enfants se retrouvent avec des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Ils se sentent dans l'insécurité totale. Donc cette insécurité, l'angoisse qui fait que ces enfants-là pleurent parce que la préparation n'a pas été faite auparavant. Madame, vous êtes conseillère pédagogique, c'est vous qui formez les enseignants et les enseignantes, les éducateurs et les éducatrices pour bien accueillir les enfants. Alors, est-ce que vous comprenez les motifs ? C'est une réalité que nous vivons. Et les premiers jours de la grande rentrée scolaire, ce n'est pas facile pour les enfants de se détacher de leurs parents. Effectivement, ça pouvait se faire facilement si une préparation lointaine a été faite. Et que ce soit de la part des parents, que ce soit aussi de la part des éducateurs, je crois que d'une part comme de l'autre part, chacun a un rôle à jouer et pour favoriser une rentrée scolaire apaisée pour les tout-petits. Vous l'avez suivi dans le reportage, hein, il y a une maman qui a quand même reconnu qu'elle a préparé suffisamment l'enfant, elle a informé qu'il ira à l'école, l'enfant était tout enthousiasmé. Et effectivement, cet enfant n'a pas pleuré comme les autres. Voilà. Mais par contre, il y a un autre, malgré cette préparation, eh bien, quand il s'est retrouvé dans le grand groupe, il a commencé par pleurer. Parmi tous ces enfants-là, il y a d'autres, effectivement, qui ne pleurent pas du tout. Alors, comment vous expliquez ça ? Je peux dire que ces enfants ont été peut-être préparés. Si le parent, avant d'inscrire l'enfant, il vient avec l'enfant, l'enfant s'habitue avec les éducateurs qui sont là, qui l'accueillent. On connaît déjà son nom. Donc le premier jour, quand il arrive, on l'appelle par son prénom. Donc il se dit que telle personne, tel éducateur me connaît. D'autres enfants retrouvent leurs amis du quartier. Soit c'est ensemble avec son frère qui a déjà fait ou bien sa soeur qui a déjà passé. Et dans le jardin, et quand il vient avec celui-ci, il n'est plus dépaysé, il ne pleure pas. D'autres ont déjà préparé les enfants qu'ils les ont amenés l'année passée pour leur dire que à la rentrée, tu viendras ici. L'enfant connaît déjà le milieu dans lequel il va arriver. Il connaît les éducatrices et les éducateurs par leur nom. Il connaît déjà quelques enfants dans le milieu. Donc, ces pleurs-là disparaissent en ce moment. Mais d'autres, c'est quand l'école même a déjà installé les jeux. Quand ils arrivent, ils retrouvent les jeux. Paf, ils montent sur les jeux et ne pleurent plus. Donc, jusqu'à ce qu'il ne se rende compte que son parent a disparu, c'est en ce moment qu'il se dit « Où est-ce que je suis? Mon papa ou ma maman est où ?» Et là, il va pleurer, mais quand il retrouve les jeux, avec tout, il ne pleure plus. Alors, Madame Abega, alors tout ce que vient d'expliquer Madame Diagbele, les techniques pour pouvoir, les stratégies pour bien accueillir les enfants, ça prend dans les ennemis ou bien c'est vous en tant que personnel d'encadrement qui leur donnez ces secrets, ces trucs et ces astuces? Merci pour votre question. Et je dirais que ça s'apprend à la formation initiale dans les ennemis, dans les écoles normales. Mais il y a une formation continue que nous, en tant que personnel d'encadrement, nous assurons régulièrement avec les enseignants qui sont sur le terrain. Nous disons toujours que même en dehors du cadre scolaire, je crois que quand vous arrivez dans une maison, l'accueil, le mot de bienvenue que vous recevez vous permet d'être détendu et de discuter de quoi vous êtes arrivé, c'est-à-dire ce qui vous amène vers cette famille ou bien ce groupe. Mais quand l'accueil est défectueux, normalement, le reste, ça ne passe plus. Ça bloque tout. Voilà pourquoi nous insistons sur cet accueil-là, non seulement au préscolaire, même au primaire, pour les enfants qui viennent directement de la maison pour commencer le cours préparatoire première année. Il y a des astuces, effectivement,
Parce que l'enfant qui vient vers toi, qui ne te connaît pas, si tu ne te montres pas tendre, aimable, et tu le nommes directement par son nom, tu dis bon Kofi ou bien René, il s'étonne d'abord que tu l'appelles par son nom. Et ça commence par réduire un peu l'angoisse et de la peur de l'inconnu. L'enfant peut retrouver ses collègues, ses amis de quartier qui y sont déjà. Il peut aussi retrouver... Ouais, même l'enseignant, il peut même reconnaître justement, l'enseignant. L'éducateur ou bien l'enseignant qui est là-bas, il le connaît ou bien il le voit souvent. Seulement, il n'a jamais eu la chance de le côtoyer. Voilà pourquoi nous disons que nécessairement, avant que l'éducateur ou bien l'enseignant ne joue son rôle, n'accueille bien l'enfant, il faut que les parents aussi fassent quelque chose. Le parent doit nécessairement faire une préparation psychologique chez l'enfant. Tu sais que l'année prochaine, la rentrée prochaine, le petit ou bien la petite ira au préscolaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au cours de cette année, l'année qui précède la rentrée, il faut commencer par lui parler gentiment, lui dire que l'année prochaine, tu vois ton ami tel, il va à l'école, il va au jardin. Toi aussi, tu iras. L'année prochaine, tu auras l'âge d'aller et je vais te préparer un joli cadeau, je vais te faire la tenue. Il y a des trucs pour amadouer l'enfant et commencer par lui inculquer l'idée d'aller à l'école et l'amener progressivement à intégrer d'abord l'acceptation avant de le conduire. Au cours de l'année, vous pouvez l'amener une fois en passant, saluer Tata, faire sa connaissance. Tata aussi fait connaissance de l'enfant, il connaît son nom. Et ça commence par dénouer, dégager cette peur-là que l'enfant a au ventre. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi une préparation matérielle. L'enfant va aller au jardin, il a besoin d'une tenue. Donc, Et peut-être quelques jeux aussi. Oui, il y a la tenue scolaire. Il faut qu'il ait ça le premier jour pour qu'il ne se sente pas différent des autres enfants. Il lui faut un sac où il va mettre ses fournitures. Et son jouet préféré. Son jouet. C'est très, très, très important parce que le jeu est vital pour l'enfant. Le jeu, c'est-à-dire c'est un besoin fondamental pour l'enfant. Et pour cela, il lui faut un matériel de jeu. Le jouet, au moins un petit jouet qu'il aime bien. Il ne faut pas lui imposer le jeu ou bien le jouet. Demandez-lui qu'est-ce qu'il voudrait avoir comme jouet et vous lui proposez cela. Et vous pouvez acheter, vous garder. Et le jour de la rentrée où vous devez l'amener, vous sortez le jouet, le sac et tout, c'est déjà une surprise très agréable pour lui. Et ça lui permet d'avoir un bon élan, un bon départ et il vous suit. Et comme il a déjà fait connaissance de Tata, il l'a déjà vu une fois, je crois que ça va être un peu facile de s'adapter. Ça ne va pas être totalement facile. Mais je crois que quand même, il y a quand même un bon départ. Vous avez désamorcé. Oui, on a désamorcé. La peur, voilà. L'angoisse, les frustrations. Il y a la peur de l'insécurité. L'enfant a besoin de la sécurité. Et il ne se sent pas en sécurité quand il est en face de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne vous connaît pas. Il ne sait pas ce que vous lui réservez quand papa ou maman va partir tourner le dos. Donc c'est très, 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 très important que les parents jouent leur rôle avant que nous ne venions au rôle de l'éducateur. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, alors nos spécialistes du jardin d'enfants et le personnel d'encadrement qui sont sur ce plateau sont en train de nous livrer les secrets que nous devons, en tant que parents, maîtriser pour mieux préparer nos enfants à s'intégrer, à être bien accueillis d'abord à l'école, à s'intégrer et à se maintenir dans le système éducatif pour ceux qui sont des nouveaux, bien entendu, parce que le sujet effectivement porte sur les nouveaux enfants. Alors, Madame Tchabele, vous êtes en contact permanent avec les enfants, avec leurs parents. Quelles sont les occasions que vous offrez aux parents pour qu'ils apprennent tous ces trucs et ces astuces dont Madame Amégan vient de parler et ce que vous aussi vous avez évoqué entre-temps? Merci pour vraiment cette occasion qui nous permet de sensibiliser, je peux dire, les parents sur la préparation de la rentrée. Les occasions, souvent, nous prenons les parents lors de nos réunions. On leur explique davantage ce que c'est que la petite enfance, le préscolaire, comment
guider un enfant pour l'amener au préscolaire et comment le préparer chaque jour. Parce que envoyer son enfant au préscolaire est une lourde tâche. Les parents ne le savent pas. Ils croient que venir déposer l'enfant et c'est fini. Donc chaque jour qu'ils viennent, nous trouvons des petites occasions pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut donner. Parfois, quand ils viennent, même l'enfant a envie de venir à l'école. Au cours du chemin, l'enfant commence par pleurer parce que la maman a fait ci ou bien celui qui l'emmène a fait cela. Sinon, c'est des enfants qui aiment. Quand ils commencent le préscolaire, ils aiment. Même avant ça, si on leur explique que tu dois, comme la conseillère vient de dire, tu dois aller à l'école. L'enfant est joyeux de venir à l'école. Mais il y a des péripéties au cours de la route et même à l'entrée même. Peut-être qu'on n'a pas donné l'argent à l'enfant, on n'a pas fait si l'enfant veut telle chose, le parent refuse et nous profitons de ça pour les sensibiliser. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. L'enfant, c'est un âme, c'est des enfants qui ne comprennent rien. Il suffit de les tromper, ils vont accepter. Dis à l'enfant, oh, je n'ai pas l'argent aujourd'hui, mais j'ai déposé l'argent au niveau de tata. Tu viens, elle va te donner. L'enfant se tait, il ne pleure plus. Ou bien, ce que l'enfant veut acheter, vous lui achetez, vous lui mettez ça dans son sac. Il se calme et il vient. Donc, c'est au cours de ces événements que nous essayons de profiter de ces occasions spontanées pour sensibiliser les parents. À des réunions, on les sensibilise. Et comme à cette émission que vous nous donnez l'occasion de le faire, nous sensibilisons. Parce que les parents ne sont pas sensibilisés. Voilà. Ils ne sont pas souvent disposés. Ils ne sont pas souvent disposés. Même, aux oui, et même pour le préscolaire, ils préfèrent aller à des réunions du primaire, du collège. Mais quand on les convoque à des réunions au préscolaire, ils disent qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ils chantent, ils dansent parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du préscolaire. Alors que c'est la base même, la fondation. Et vous organisez souvent des journées portes ouvertes. Nous organisons des journées portes ouvertes. Voilà. Et nous organisons aussi des fêtes de fin d'année. Mm-hmm. Au cours de ces fêtes des années civiles, nous sensibilisons. Voilà, vous leur demandez de faire venir ceux qui seront inscrits l'année prochaine pour qu'ils viennent voir un peu l'environnement. Oui, les parents, même quand même vous ne leur dites rien, ils viennent avec les tout petits qui ne sont pas encore inscrits. Qui ne sont même pas encore inscrits. Mm-hmm. Et ce sont ces enfants-là qui sont plus intéressés à ce que vous faites comme jeu. Et là, ils disent que je vais rester, je vais venir ici. Déjà, il y a déjà une préparation lointaine et l'année suivante, quand le petit vient rejoindre son grand frère, c'est facile, le terrain est déjà déblayé. Ok, au jardin d'enfants, fidèles spectateurs, au jardin d'enfants, les tatas chantent souvent pour égayer les enfants. Je vais demander à mes invités. Alors, Madame Tchabele prépare rapidement un chant pour nous, Madame Megan aussi. Voilà, on va chanter aussi pour vous, téléspectateurs. Vous allez voir comment ça se passe. Alors, qui va commencer? Ah, Madame Tchabele va commencer. comme c'est son domaine. C'est son domaine. Ouais, allons-y. Les enfants aiment souvent le chant de papillon qui partout tout le monde le sait chanter. C'est ça. Papillon, vole, vole, vole. Papillon, vole, vole bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Et papillon, vole, 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 papillon, vole, vole bien. Merci. Ok, on reviendra tout à l'heure à Madame, Madame Megan. Oui. Quand les enfants sont bien accueillis, ils apprennent très vite et ils identifient dans leur environnement scolaire tous les objets qu'ils voient. L'ONG Aide Action a fait construire et équiper certains jardins d'enfants dans la CARA. Alors nous avons le témoignage, une interview que nous avons accordée à un enfant
Vous allez voir, il est au jardin d'enfants, l'enfant tout cité. Il a cité tout ce qu'il voit suivant ce reportage. Je m'appelle Kalapo Sassanam. Je vois la table, je vois les chaises, je vois la poutre d'eau potable, je vois un lave-main, je vois jouer dans la cour, je les livres, les nattes. Avec mes amis. Alors, Madame Amega, votre réaction? Ça donne du plaisir à voir ces tout petits et s'exprimer librement, dire ce qu'ils sont en train de voir autour d'eux. C'est très bien. Mais ce n'est pas facile d'y parvenir. Il y a une situation que je voudrais évoquer. C'est que dans les ménages, parfois, il y a certains parents qui coincent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont dans une cour commune et quand on fait la toilette à l'enfant, on lui place un tabouret ou bien une petite chaise. On lui dit « Assieds-toi là-bas, ne bouge pas. » Un, parce qu'on ne veut pas que l'enfant se salisse. De deux, pour éviter les problèmes avec les voisins, il faut éviter le contact de l'enfant avec les autres enfants. C'est très mauvais et c'est dangereux. Et ça ne favorise pas la socialisation de l'enfant dans son environnement. Et c'est un frein, hein, c'est un des facteurs qui entraîne les pleurs parce que l'enfant est habitué à rester seul. Il est seul ou bien il est avec papa, il est avec maman, ou bien il est avec ses soeurs biologiques. En dehors de ça, il n'a plus de contact avec les autres enfants de la maison, du quartier. Il n'a pas le droit de jouer. Donc l'enfant n'arrive pas à s'extérioriser. Il est toujours refermé sur lui. La première fois qu'on va le conduire dans un groupe, il sera choqué. Et ça peut même causer un traumatisme au niveau de l'enfant. Donc j'appelle les parents qui agissent de cette manière de cesser. Et s'ils le font par ignorance, comme l'occasion nous est offerte ici de nous exprimer, nous allons leur dire de faire un effort pour libérer les enfants. Même si nous avons des problèmes en tant qu'adultes avec nos voisins, le monde des enfants, c'est un autre monde. Il faut libérer nécessairement les enfants et les laisser agir. Oui, tout à fait. Quant à ce que nous avons observé tout à l'heure, je voudrais dire merci à l'ONG Aide Action qui a beaucoup fait pour nous et qui continue de le faire. Et je voudrais remercier les tatas, les éducateurs en général, qui ont tenu ces enfants. Effectivement, et que ce soit au jardin ou bien au primaire, au cours préparatoire première année, nous avons 2 semaines d'imprégnation actuellement, selon les nouveaux curricula. 2 semaines d'imprégnation pour permettre aux enfants qui sont venus directement de la maison à l'école primaire, qui vont commencer le CP1 là, de s'imprégner, de connaître l'environnement scolaire avec les outils, le matériel qui est autour d'eux et de se familiariser avec ce matériel avant de commencer l'apprentissage systématique. Donc durant les deux semaines d'imprégnation, les enfants apprennent à identifier les éléments, les matériels, le bic, le crayon, le cahier, le livre, comme les enfants viennent de le faire, l'ardoise. Ils apprennent à se connaître, à connaître le nom de leur camarade, de leur voisin. Nous avons des chansons, nous avons des activités de présentation où l'enfant apprend à saluer, l'enfant apprend à recevoir la salutation, il apprend à se présenter. Et tout ça l'a fait qu'au bout de 2 semaines, si ces activités sont bien menées, avec des chansons, avec des poésies, des petits trucs, l'enfant est à l'aise pour entamer les apprentissages systématiques. Et nous saluons vraiment la législation
scolaire qui a prévu ça. Parce que pour les enfants qui viennent, par exemple, du jardin, ça constitue une révision pour eux. Mm-hmm. Mais au primaire, les nouveaux venus. Oui. Mm-hmm. Pour celui qui est passé par le jardin, avant d'arriver au CP1, c'est une révision pour lui, les 2 semaines. Il y a les formes aussi, j'ai oublié. L'enfant identifie les formes, la forme ronde, la forme carrée. Alors qu'au préscolaire, ils utilisent les blocs logiques. Les enfants apprennent aussi à connaître, à identifier les couleurs, le vert, le rouge, le jaune. Tout ça là, c'est un béaba qu'on donne à l'enfant ou bien aux enfants avant d'entamer les apprentissages systématiques. C'est très important. On apprend à l'enfant à tenir la craie, à tenir le bic et à gribouiller. Ce n'est pas facile, mais c'est facile quand on s'y met. Nos consoeurs ou bien nos frères qui sont les éducateurs du jardin font beaucoup de choses. Elles sont à féliciter. Que les parents ne pensent pas que amener l'enfant au jardin, c'est un moyen de s'en débarrasser pour aller vaquer à ses occupations et que l'enfant ne fera que chanter et danser et jouer. Nous avons des jeux éducatifs qui développent intellectuellement les enfants, la mémoire des enfants. Nous avons des jeux de cours, la balançoire, le toboggan qu'on vient de voir, tout ça là, qui développent le psychomoteur chez les enfants. Donc, il n'est pas normal. Et si aujourd'hui, un parent pense que le jardin, c'est pour aller jouer seulement, c'est pour aller passer le temps et lui laisser les mains libres pour aller travailler, ce n'est plus ça. Il faut qu'on change de mentalité, surtout que l'État togolais vraiment a pris sur lui de faire la promotion de la petite enfance en acceptant la création des jardins partout, sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons des jardins, quand il y a une école primaire, d'ailleurs même les ONG qui nous viennent en appui, lorsqu'elles proposent de nous construire des bâtiments scolaires, il est exigé que le jardin soit incorporé. Intégré, ouais. C'est ça. Mm-hmm. Donc, si c'était inutile, on ne le ferait pas. Tout à fait. Et quand on est à l'écart, on peut penser que c'est comme ça, mais en réalité, c'est la base. Et c'est la base de tout l'édifice scolaire. Un enfant qui passe un bon temps, qui est bien entretenu, bien encadré au jardin. Quand il rentre au primaire, c'est en flèche. Tout à fait. Il continue jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Fidèles téléspectateurs, nous remercions Madame Amégan, la conseillère pédagogique de Zio, qui a analysé le reportage que nous venons de suivre, du témoignage de cet enfant, qui a cité tous les éléments. En tout cas, ça fait partie de tous les éléments attractifs pédagogiques qui permettent aux enfants d'être fiers et d'être contents d'être à l'école et aux jardiniers d'enfants ou bien aux éducateurs et éducatrices, n'est-ce pas, de bien donner tous les apprentissages exigés par la législation togolaise. Alors, avant que Mme Tchakbele ne réagisse, nous allons passer l'interview d'une petite fille du jardin d'enfants à qui on a posé la question de savoir si vraiment elle est contente et fière d'être au jardin d'enfants. Vous allez suivre sa réaction et Mme Tchakbele, prépare-toi à nous dire un peu ce qui a poussé cet enfant à s'exprimer ainsi. Je m'appelle Fabiola. Es-tu contente de venir à l'école ici? Oui, je suis contente de venir à l'école ici. Votre réaction? Merci, M. Maltetoy. Et puis, pour ce reportage, vraiment, ça prouve que cet enfant est éveillé. Éveillé, c'est intégré. Ça, éveillé. Quand les enfants sont éveillés, les éducatrices les aident à être plus éveillés. Parce que tous les enfants ont des talents, mais qui sommeillent. Les talents, tous les enfants peuvent parler comme ce petit enfant ou bien cette petite fille qui vient de s'exprimer aisément. Merci. Mais c'est que les parents endorment, comme vient de le dire la conseillère, ne parlent pas, ce n'est pas bien. Quand l'enfant s'exprime aisément à la maison, à l'école, il est dégourdi et il réagit spontanément sans même l'appui de l'éducateur ou de l'éducatrice. Quand on inscrit un enfant au jardin d'enfants, quel est l'avantage pour l'élève, pour le parent, pour le système éducatif? Je crois que Mme Amégan, en tant que conseillère pédagogique, a déjà abordé l'avantage pour l'enfant, parce qu'elle a dit que quand un enfant passe par le préscolaire, cet enfant a toutes les chances de ne pas redoubler et de faire un parcours sans faute jusqu'au terminus, jusqu'à l'université. Alors, donc, on a déjà une idée des avantages pour l'enfant. Alors,
Madame Tagbele, quels sont les avantages pour le parent et pour l'éducatrice? L'avantage pour le parent, c'est que le parent va vaquer librement à ses occupations. Ce n'est pas un débarras. Mais ce n'est pas un débarras. Voilà. Ce n'est pas un débarras. Ça veut dire qu'il doit budgétiser. Oui, il doit budgétiser. Pour les besoins scolaires de cet enfant. Voilà. Mmh. Et les enfants qui sont dans des cadres bien construits, clôturés, les parents se disent que l'enfant est dans la sécurité totale. Et l'enfant qui vient au préscolaire, le parent sait déjà qu'il a mis beaucoup de choses pour son cursus scolaire. Parce que nous venons de le constater par les propos de ma consoeur qui dit que l'éducation préscolaire, c'est la base de tout. Effectivement, il faut le matériel. Les pré-calculs, les pré-mathématiques, la socialisation. Tout. Nous faisons c'est tout. C'est tout cela que vous... Notre matériel de travail, je vous assure que nous faisons la physique, la chimie. Tout. Et les mathématiques, l'éveil scientifique, et nous faisons aussi la socialisation. Mm-hmm. C'est ça qui permet à l'enfant d'aimer. Et lorsque tout ça là rate au primaire et au cours du cursus de l'enfant, c'est nous qui avions raté. Donc, le travail nous incombe, nous les éducatrices. Et je crois que partout où nous passons, nous faisons de notre mieux pour que les enfants qui nous sont confiés aient le minimum pour pouvoir booster à l'avenir leur cursus scolaire. Tout quand l'enfant a bien fait la maternelle, je vous assure que le pourcentage d'échec est 0%. Tout à fait. Alors, vous allez profiter en même temps, parce qu'on est en train de tendre pratiquement vers la fin de ce débat thématique sur comment bien accueillir les enfants, les nouveaux élèves. Alors, vous profitez en même temps pour lancer un appel en termes d'attente vis-à-vis de l'employeur. À nous, les éducatrices, quand vous êtes au préscolaire, vous développez l'amour, la patience, parce que les tout-petits ne sont pas des enfants faciles. Mm-hmm. Donc, une éducatrice qui n'est pas patiente, quand elle arrive au préscolaire, commence par cultiver cette patience. Parce qu'on a vu des éducatrices qui tapent même les enfants du jardin. Oui, quand elles tapent, ce sont celles-là qui n'ont pas eu la formation. Tout à fait. Quand on va réouvrir les ennemis, vraiment, qu'on prenne vraiment au moins une ennemie spécialisée pour le préscolaire. Bien sûr qu'on dit que nous sommes ensemble, mais dans notre ensemble, il y a l'ensemble préscolaire. Il y a l'ensemble préscolaire parce que nous devons vraiment former les gens qui aiment enseigner au préscolaire et non les gens qui aiment enseigner. Enseigner au préscolaire est différent d'enseigner au primaire. Parce que quand vous n'avez pas l'amour pour les enfants, vous allez toujours les taper. Quand vous n'avez pas compris la psychologie de l'enfant, justement, pour comprendre son développement et ses intérêts, ses besoins, vous n'allez pas comprendre l'enfant et lui donner ce dont il a besoin. Que notre ministère prenne vraiment du sérieux l'importance, ils en connaissent, mais qu'ils aient un regard encore spécifique pour le préscolaire. Voilà. Et que ce regard aussi soit orienté vers les ressources financières dont vous avez besoin pour être beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Marcel Toye. Ah ouais, puisque en juillet dernier, le chef de l'État a participé à la conférence de reconstruction des fonds pour le partenariat mondial pour l'éducation à Londres. Et dans l'interview, il a reconnu honnêtement que vraiment le préscolaire est le parent pauvre qui n'est pas suffisamment financé. Et on espère qu'une décision politique ne tardera pas de toute façon à arriver en faveur du préscolaire au Togo. Oui. Oui. Quand moi j'ai entendu le chef de l'État, j'ai chanté et j'ai sauté de joie parce que je me dis maintenant nous serons dorlotés. Dorlotés en ce sens que le chef de l'État a pris à cœur notre problème du préscolaire. Quand le papa arrive à reconnaître que l'enfant là est lésé, je crois qu'on mettra tout à notre niveau maintenant pour que nous puissions avoir les moyens, les cadres et des jardins d'enfants bien équipés pour accueillir les tout petits, les
des âmes saines. C'est ça. Et merci. Innocents. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, avant que madame Amégan ne clôture, je crois que nos autorités qui nous suivent ont bien pris note hein, qu'ils nourrissent l'espoir que ce que le chef de l'État a dit va se concrétiser incessamment. En tout cas, à cette rentrée pour que ne serait-ce qu'un fonds spécial pour équiper davantage les jardins d'enfants, eh bien, que cela soit possible. Voilà. Donc, l'espoir est permis à partir du moment où c'est notre président même qui a reconnu et qui veut faire davantage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Ce n'est pas que rien ne te faisait. Non, non, non. La preuve, parce qu'il y a la politique de la petite enfance, ce que beaucoup de pays n'en ont pas. Et il y a des partenaires techniques et financiers qui sont mobilisés par le gouvernement togolais pour appuyer la petite enfance, par exemple, à partir du péri 1, péri 2. Les PTF mettent quand même des ressources et ces PTF sont. Viennent en appui au gouvernement togolais dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Madame Amégan, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission, mais vous allez nous donner d'abord un champ avant de nous dire vos attentes vis-à-vis des éducateurs et des éducatrices, parce que vous avez des garçons aussi maintenant qui s'occupent de tout petit dans les jardins d'enfants, ce qui est une très bonne chose, et vos attentes vis-à-vis des parents. Merci beaucoup, Marcel. Et je crois que je vais chanter par rapport au thème la connaissance du corps humain. Tout à fait. Et au préscolaire comme au CP1. Mm-hmm. Les enfants arrivent au préscolaire, ils ont besoin de se connaître, leur corps physique. Quoi. Mm-hmm. Donc, ceci dit, je vais entonner et peut-être elle va chanter avec moi. Et c'est pour identifier les différentes parties du corps. Donc, de la qui danse, de la qui danse, de sa tête elle danse, de sa tête elle danse, de sa tête, 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 de sa tête, tête, tête. De la qui danse, de la qui danse, de ses bras elle danse, de ses bras elle danse, de ses bras, 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 de sa tête, 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 c'est un pied, 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 ainsi de suite. Merci, merci madame. Donc, au cours de l'apprentissage, on peut identifier deux parties, la tête et les bras. Tout à fait. À la seconde étape, on peut aller au dos. On peut aller au pied. Et ça permet à l'enfant déjà de connaître son corps. Donc, tout à fait. Merci. Alors, vos attentes maintenant vis-à-vis des éducatrices que vous encadrez en tant que personnel d'encadrement, vous êtes conseiller pédagogique, et vos attentes aussi vis-à-vis de votre employeur, parce que c'est le moment, on est à la rentrée et vous attendez beaucoup. Selon la réforme de 1975, le Togolais qui doit être formé doit être sain, ouvert d'esprit, capable de s'adapter à toutes les situations nouvelles et plein d'initiatives et apte à agir sur son environnement. Je crois que pour y parvenir, il faut nécessairement mettre les moyens. Et comme ma consoeur vient de dire, Madame Tchagbélé vient de dire, il faut nécessairement former les éducateurs. Et c'est un facteur très important qu'il ne faut pas négliger. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'enfant, alors qu'il doit travailler avec l'enfant, il risque de brutaliser l'enfant parce qu'il ne peut pas se mettre dans la peau de l'enfant. Il ne peut pas se mettre dans l'esprit de l'enfant. Alors que s'il connaît l'enfant, il connaît, il sait qu'à tel âge, voilà la réaction que l'enfant peut avoir, il peut facilement accepter les étourdissements des enfants et savoir mieux les gérer. Il faut aussi des sensibilisations à travers des émissions comme celles que nous sommes en train de faire. Tu ne peux pas confier ton enfant à un éducateur, à un enseignant, sans connaître celui qui tiendra ton enfant durant toute l'année scolaire. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, que chaque parent fasse l'effort de visiter l'enseignant qui tient son enfant, faire sa connaissance, et puis, ensemble avec l'enseignant, ils vont conduire l'enfant, l'aider à s'épanouir facilement. Si les autres médias aussi aident la TVT à vulgariser ces genres d'émissions pour que les parents… Ça va toucher un grand nombre de parents. Un grand nombre de parents, même les médias ruraux peuvent relayer ces genres d'émissions. Les radios communautaires. Les radios communautaires peuvent relayer les émissions pour sensibiliser la grande masse. Votre message à l'endroit des parents? Mon message à l'endroit des parents, c'est comme nous sommes
Dans une situation de pandémie à coronavirus, je demande aux parents de continuer par sensibiliser les enfants sur le port de masques, c'est-à-dire tout ce qui a été édité par l'État, les mesures barrières, que tous les parents continuent par respecter les mesures barrières et inculquer à leurs enfants. Parce que nous, nous en faisons, mais comme les enfants sont innocents, ils nous disent que maman a refusé ou bien papa a refusé. Donc s'ils nous aident, nous aussi, nous allons atteindre un maximum de sensibilisation. Merci, 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 merci madame. Merci, madame Amégan. Chers téléspectateurs, nous aussi, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Tous ces éclairages qui ont été donnés par les deux spécialistes du jardin d'enfants et le personnel d'encadrement, madame Amégan, elle est personnel d'encadrement. Merci. Nous allons continuer, de toute façon, nous, notre travail au niveau de la télévision togolaise à travers l'émission Débat Éducation, à vous éclairer davantage en invitant les spécialistes du domaine pour venir vous éclairer afin que vous puissiez bien jouer vos rôles et responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Ce volet concernant bien accueillir les nouveaux élèves prend ainsi fin.